Ce dimanche, sur le lac du Héron de Villeneuve-d'Ascq, le club de voile organisait une course pas comme les autres, avec au départ une dizaine de ces drôles d'embarcations, des ophnies, des objets flottants non identifiés, et en tout 10 bateaux construits par de jeunes enfants ou des adultes spécialement pour cette course. Le projet a été mené avec les enfants des écoles environnantes et une maison de jeunes à Comines en Belgique. Pendant deux mercredis, ils ont rassemblé ficelles, bidons, planches et autres objets flottants et naturels pour les assembler et ont créé des radeaux. Hier, c'était donc la conclusion de cet atelier avec cette course plutôt convivial. Le président du club de voile de Villeneuve-d'Ascq avait beaucoup d'intérêt sur cette construction de ces radeaux. Et notre journaliste hier sur le lac du Héron, Julie Sico, s'est mouillée pour rencontrer quelques jeunes participants de cette course. On a pris quatre planches à voile, on les a collées avec deux barres. Ça nous a fait un radeau. Pour faire la course et aussi pour être avec les copains de l'école. On a mis les palettes et après on a mis le mât et tout. Et au bout d'un moment, et ben on a été le métallo. Être avec mes amis, faire des épreuves, participer à des compétitions.